arrivé, 4 heures de vol. Bienvenue au Sri Lanka. On est arrivé, on est à l'aéroport de Colombo. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte SIM ici. Et normalement, on a notre chauffeur qui nous attend pour notre première destination. Puisqu'on ne va pas rester ici à la capitale, on reviendra à la fin du séjour. On va directement nous rendre à Anuradhapura. Anuradhapura. J'ai vraiment un problème avec les noms. Bon, on a dû repartir, prendre un visa. En fait, il fallait un visa. Donc on a payé 60 dollars américains. Pas de visa pour les moins de 12 ans. Et là, on a notre chauffeur qui est là. Et c'est parti pour 4 heures de route. Hein? T'es contente, Marianne? Bon, et voilà notre camionnette. Plein d'espace. Let's check. The Qibla. Ok. Almost there. Almost there. You are now facing Mecca. Tout droit. Voilà, c'est parti. Ça y est, on commence la visite de la cité archéologique de Anuradhapura, qui s'étend sur 10 km. On est parti acheter le billet au musée et on a commencé avec cette grande stupa que vous voyez ici derrière. C'est magnifique, franchement, c'est super beau et il n'y a pas grand monde. Donc, écoutez, on y va, on va commencer. Il y a vraiment pas mal de choses à voir ici. Et les enfants, ils sont trop contents, il y a plein de singes. Ok, on est au Bodhi Tree. C'est l'endroit le plus sacré de la ville. Vous avez l'arbre le plus ancien du monde, 2000 ans. Y a énormément de pèlerins, beaucoup de personnes qui viennent visiter cet endroit, qui viennent ramener des offrandes, offrir des offrandes, des fleurs, etc. Brûler des bâtons d'encens. Donc on va visiter le temple qui est là et ensuite on va aller du côté de l'arbre en sachant que vous ne pouvez pas vraiment accéder à la branche. Seul le président et quelques hauts fonctionnaires ont accès, peuvent s'approcher. Donc voilà, c'est parti. Ah, ça y est, on arrive à la fin de cette longue promenade. Les sites sont vraiment assez loin les uns des autres, donc on a bien fait de l'avoir fait en voiture. Vous pouvez prendre un tuk-tuk et vous pouvez faire ça à vélo aussi. Et énormément de nature, c'est super beau, il fait super beau. Voilà, on va clôturer avec la visite du parc royal.
deuxième visite d'aujourd'hui. On est ici sur le site qui s'appelle Mintale. C'est ça, les plans, les bâtiments pour habiter les moines. Tout 250 hectares, ça revient pour les monastères. D'accord. Mintale. 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 Qui est beaucoup, beaucoup moins étendu que celui qu'on a visité ce matin. Et c'est vrai que faire une visite avec un guide, ça rend quand même plus intéressant. Deuxième étape du voyage, direction Sigiriya. Et sur la route, on va s'arrêter à Dambula. Donc Dambula, il y a des grottes à visiter. Ils appellent ça les Golden Cave Temple. On va faire ça et ensuite, on va se rendre à Sigiriya où on va passer 2 jours pour visiter la ville de Sigiriya et d'autres attractions qu'il y a autour. Et notamment, un parc naturel avec plein d'éléphants. Donc normalement on va faire ça cet après-midi. On va faire ça cet après-midi puisque c'est recommandé d'y aller vers 3h30 lorsque les éléphants se rassemblent autour des lacs pour boire. Donc voilà, c'est parti. Direction Sigiriya avec un stop à... Vous avez retenu la ville ou pas? Dambula. Il pleut, on est en train de manger des fruits, on est bloqué. Donc comme je vous disais, ici on est à Dambula, c'est magnifique. Regardez, les grottes en fait, elles sont sculptées dans la montagne. Voilà, et on nous a offert des fruits, plein de fruits, corbeilles de fruits. Et on attend que la pluie elle passe. C'est bon? Vous voyez, les grottes, elles sont vraiment creusées à l'intérieur de ce grand rocher. Vous voyez, il y a plein de singes. On a dû attendre que la verse passe. Et franchement, là du coup, il fait super bon, il fait super bon. Ah, on va rester ici. On va redescendre. On va redescendre et on va se diriger vers Sigiriya, notre prochaine destination. Donc Dambula, c'est une excursion que vous pouvez faire à partir de Sigiriya, mais étant donné que c'était sur la route, on s'est dit bon, tant qu'à faire, autant la faire. Et comme ça, on n'a pas à revenir en arrière ici pour visiter ce temple. On est bien arrivé à Sigiriya. On a pris un tout petit chalet comme ça ici. Je me souviens plus du nom, je vous l'ai dit, je pense, avant, le nom de l'auberge. On l'a trouvé sur hotel.com, quelque chose comme ça. Super bien noté, ils ont que 3 chambres et franchement, c'est nickel et ils sont super sympas. C'est une famille en fait qui tient ça. Vous avez 3 chalets, ils ont 3 petits chalets comme ça, sur 2 étages, donc parfait pour nous. Otuna. Otuna, donc Otuna qui veut dire couronne. Donc on a ici... En fait, c'est un jeu. Ils ont 3 chalets. You only have 3 rooms, right? Only 3 rooms, oh, yes. Oh, wow, okay. 3 rooms and there is a room on top for the kids. Yes, there is another one, yes. Okay, je vais poser mon sac. Yes. And this remote control for the air conditioning. Et il y a un tout petit balcon ici. On va voir les... On va voir quoi? Les éléphants. Allez, c'est parti, on y va? Sri Lanka compte plusieurs parcs, des grands parcs naturels où vous pouvez aller faire un tour en jeep et aller à la rencontre des animaux. Donc on a loué la jeep d'ici directement
On a un peu de route, on a une heure de route entre Sigiriya et le parc. Hey Haroun, are you happy Haroun? Oui, are you ready? Ooh, hi, how are you? So you are the guide? Yeah. The driver? Yeah. Okay. So, oh, we are going to which, is it okay? If I yeah, think? Yeah, sure. Which park? Kaudulla National Park. Kaudulla National. Kaudulla, okay, yeah. Okay. Kaudulla. Donc on est ici au parc de Kaudulla. En fait, il y a deux parcs qui sont connectés et quand vous arrivez ici, on vous dit en fait dans lequel les animaux sont. C'est pas nécessaire sur les deux parcs puisqu'ils sont connectés. Donc là, on est au parc de Kaudulla. Kaudulla. Voilà, Kaudulla. Combien t'as payé en fait au total? Au total, non, 40 000. 40 000, ça fait combien environ en euros? Je sais pas. On va faire les calculs, on vous le dira. Sigiriya. Alors ça c'est notre guide, monsieur qui s'appelle. Il s'appelle Vicky. Vicky. Ouais. Donc Vicky va nous accompagner. Alors bienvenue à Sigiriya. On est au Rocher du Lion. Why this name? Rocher du Lion. On monte jusqu'à là-bas, reste de pattes. Avant on était le rond-tête, Rocher du Lion. Ok. Et qu'il a fait le rond-tête de lion. Oh, la forme, c'est la forme du rocher. La forme de lion, forme de lion qu'il a fait brique. Ah, ok. Et maintenant, raté, c'est le mode de pâte. Oui, avec ok. Avec le temps, toute érosion. À l'érosion, oui, ok. Alors en fait, rapidement pour l'histoire, l'histoire de ce rocher, aussi, oui. Alors c'est un roi qui a tué son père, quel méchant roi, hein. Et il a chassé son frère. Et puis le papa. Voilà. Et son frère lui a dit, je vais me venger. Alors il s'est réfugié tout en haut, il s'est construit un palais, ça a duré 15 ans environ. Oui, mais le roi habitait des sultans. Voilà. Première guerre. Et finalement, il a quand même, le frère, il est revenu d'Inde avec ses troupes et il a chassé son frère, il a tué son frère et il nous a laissé un super vestige qu'on va aller visiter. Donc c'est parti, 1200 de marche pour arriver en haut. On va continuer la montée. Donc il nous expliquait en fait qu'il y a la piscine du roi qui était là et qu'il avait en fait la reine, une femme officielle et qu'il avait des concubines, 500 concubines. Donc c'est un genre de harem en fait. Voilà. Pour les peintures, ils utilisaient des peintures végétales. Couleurs végétales. Donc, regardez les plâtres aussi. Sur les plâtres, matériel naturellement, blanc d'œuf, miel, craie, argile, sable. D'accord. Sur le mélange et les plâtres, après mis les pains. D'accord. Voilà, aussi taillé en petites lignes. Oui. Là-bas, goutte d'eau, gouttière pour l'eau. D'accord. Ils récupéraient l'eau. Ah, bah, exactement.
On est arrivé au top et en fait ici derrière vous voyez les dames de Sigiriya, ce sont des peintures qui ont été faites naturellement, donc on ne peut pas faire de photos et on ne peut pas filmer à l'intérieur. Elles datent de je ne sais pas combien d'années, donc voilà. Let's go. Cinquième siècle, merci, heureusement on a le guide. Voilà, donc à l'origine il y en avait 500 comme ça et ce sont les seuls qui ont été retrouvés, conservés comme ça et c'est vraiment magnifique, elles sont très très belles. Ouf, je suis en sueur. On descend le... On se croirait dans Fort Boyard. Là, donc... On s'est arrêté ici sur la route, donc vous voyez, ça c'est le rocher qu'on va faire cet après-midi, c'est le Pinurandara Rock. Et vous avez le Sigiriya Rock, le Lion Rock qui est caché là-bas, on est vraiment au milieu de la jungle. On s'est arrêté vraiment dans un coin perdu comme ça pour voir de loin. Donc tout à l'heure, on va là-bas. Donc là, on va prendre la voiture et direction un autre site archéologique qui est assez connu. Je vous en parle à l'intérieur. On va commencer la visite du site Polanaru. Visite du site Polanaru. Maintenant, nous sommes dans le palais royal, palais du roi Parakram Bahu. Le premier capital était Anuradhapura. Oui. Deuxième capital était existé entre 11e siècle et 12e siècle. À l'époque, nous sommes dans un palais royal du Parakram. La journée est terminée. Il nous reste une seule attraction à visiter ici, qu'on visitera demain matin sur la route de Kandy. Voilà, donc c'est terminé pour Sigiriya. Franchement, le rocher du lion, c'est magnifique. La vue, elle est vraiment magnifique. Donc, c'est terminé pour Sigiriya. Prochaine étape, Kandy. On se retrouve demain. Bye! Morning! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On quitte the Otuna Guest House Sigiriya. On va faire un rocher qui est pas loin avec une superbe vue sur le rocher du lion et ensuite direction Kandy. Donc c'est parti. On a un peu de route puisqu'il y a environ 3 heures. Is it 3 hours from here to Kandy? 3 or 4 hours? 3 and a half. Ok. Ouais, environ 3h30 de route, en sachant qu'on va faire quelques stops pour visiter notamment des jardins d'épices, puisque la route entre Dambulla et Kandy est nommée, on l'appelle la route des épices.
Voilà. Sorry, by ticket. Before entry, the address. We have to remove the shoes. Okay, yeah. Let's go. Ready? Okay, yes. Let's go. Let's go. Come. Let's go. Franchement, c'est physique. Ça monte. C'est que 15 minutes normalement. Ah, 15 minutes et ensuite, il y a une autre partie qui est un peu plus compliquée. Ici, ce sont des marches. Mais franchement, ça monte. Waouh. Je vous montre ça. No more stairs. Il y a des flèches qui vous indiquent le chemin. Oh là là. Ok. L'ascension du roc Perulangala. What's the meaning? What's the meaning? Perulangala meaning donation. Gold, donation by gold. Oh, ok. Et donc là, direction Kandy. On va prendre la voiture et comme je vous disais, on va s'arrêter pour voir quelques attractions sur la route, notamment les jardins d'épices. We are taking the spices road. Spice road. Yeah, yes. Road. Spice road. Thank you. You take care. We bye. Welcome. Très bon guide. Si vous le voyez. Prenez-le. Merci. Premier stop sur la route de Kandy. On est au centre du Sri Lanka. Vraiment, vous prenez le Sri Lanka, le milieu, on est là. Et vous avez ici un grand lac artificiel et un temple que vous voyez ici, un temple indien qui a été déplacé d'ailleurs par l'UNESCO en 1985, je crois, lorsque le lac a été étendu. Et je me souviens plus du nom du temple en fait, mais les gens viennent ici aussi pour se promener parce que vous avez le lac qui est tout autour et vous sentez la brise, c'est vraiment agréable, il y a plein d'arbres et c'est vraiment très beau. On va s'arrêter, on s'est arrêté ici dans un jardin d'épices. What's the name of this one? Sri Lanka Spice Garden. Bon, on y va, on va découvrir plein d'épices. Ayubowa, c'est bienvenue notre jardin d'épices. Thank you very much. C'est ça le jardin d'épices. Enlever le mince comme ça. C'est mélanger le riz et un curry marmelade. Orange, après moi j'étais sucre. C'est ananas, moi je Coco. Mais c'est là le voir. Oui, c'est à l'intérieur de la plante. Mais si, connaissez les grosses allergies d'une pamise à gare. On peut manger. Ça sent quoi? Ça sent l'aloe vera.
Oui, parce que t'as mis de l'aloe vera sur tes mains, c'est pour ça. 10% de cannelle exportée de Sri Lanka et l'Europe. Ok. Oui. Et comment on prépare le bâton de cannelle, s'il vous plaît? Et couper le tout en Flandre. Le clou de girofle, regardez comment c'est. Donc ça a été importé par les Hollandais de Zanzibar. Zanzibar, oui. D'accord. Et c'est ça aussi, normalement, ici, beaucoup de cuisine. Le chocolat, mélangez-le avec le bout de quelque chose avec le lait. C'est lourd ou pas? Is it nice? Yeah. Mariam, c'est bon? Miami. You go to the Buddha tooth. Downstairs ceremony going on. Buddha tooth upstairs. So first little bit see the ceremony, but go to upstairs see the tooth. The Buddhist flag, yes. Six colors, six meaning. Okay. Blue Buddha hair. Okay. Yellow Buddha skin, gold color. Okay. Red Buddha blood. White Buddha teeth and eyeball. Okay, the bone marrow. Bone marrow. Okay. Donc là, on va voir le temple que vous voyez ici dans le sur le billet de 500 qui est juste là. Welcome to Arunia Hotel. Il faut que je vous montre ça. C'est magnifique. On est dans une villa en forme de tente. Comment ils appellent celle-ci? C'est la villa. Nutmeg. C'est les noix de muscade. Parce qu'il y a plein d'arbres de noix de muscade autour. Et elle est magnifique. Il fait nuit, on voit rien. Mais franchement, vous avez une petite piscine privée comme ça. Vous avez un petit balcon. Une piscine privée. Et vous avez en face la forêt. On voit pas là parce qu'il pleut. Oups. Ah oui. On voit, alors, vous avez la piscine privée. On voit pas. On a la piscine. Vous avez une piscine privée. Et vous avez une vue sur les montagnes et la jungle. Sauf que là, il fait nuit. Donc, je peux pas vous montrer. Et attendez. Il faut que je vous montre la salle de bain. Ils ont fait un concept où la salle de bain est à l'extérieur. Donc, pour la première fois de ma life. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Au secours. Ok, on est vraiment au milieu de la jungle. C'est aller aux toilettes et se doucher comme ça. Il n'y a pas de vis-à-vis, hein, il n'y a personne derrière. Et vous avez une baignoire. Donc, comme je vous disais, vous avez la piscine qui est ici. Franchement, c'est magnifique. Ils ont 10 villas comme ça. Le problème, c'est que c'est très... c'est réservé assez souvent, donc du coup en fait on a pour une seule nuit cette villa et demain on a une autre chambre ici ailleurs. Voilà, on va aller manger. Welcome to Arunia Hotel. Il faut que je vous montre ça. C'est magnifique. On est dans une villa en forme de tente. Comment ils appellent celle-ci? C'est la villa. C'est les noix de muscade, parce qu'il y a plein d'arbres de noix de muscade autour. Et elle est magnifique. Il fait nuit, on voit rien. Vous avez une petite piscine privée comme ça. Vous avez un petit balcon. Je vous montre la salle de bain. Ils ont fait un concept où la salle de bain est à l'extérieur. Donc pour la première fois de ma life. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi? Au secours. Ok, on est vraiment au milieu de la jungle. C'est aller aux toilettes et se doucher comme ça. Il n'y a pas de vis-à-vis, hein, il n'y a personne derrière. Et vous avez une baignoire, donc comme je vous disais, vous avez la piscine qui est ici. Franchement, c'est magnifique. Ils ont 10 villas comme ça. Le problème, c'est que c'est très... c'est réservé assez souvent. Donc du coup, en fait, on a pour une seule nuit cette villa. Et demain, on a une autre chambre ici ailleurs. Good morning. Oh.
sont à regarder la vue. Donc, good morning, on est comme je vous disais à Arunia, donc dans la ville de. Quelle ville? Où est-ce qu'on est? À Kandy. On est dans la ville de Kandy, donc on est arrivé hier. On est en plein milieu de la jungle, dans la montagne. On a dormi dans une tente villa magnifique avec plein de bruits d'insectes durant la nuit et la pluie, puisqu'il a plu toute la nuit et d'ailleurs il pleut encore. C'est dommage parce que du coup on n'a pas pu profiter de la piscine. Aujourd'hui on n'a rien prévu, pas de visite, c'est vraiment une journée relaxe. On va faire un massage ayurvédique puisque ici au Sri Lanka ils utilisent énormément les plantes et la médecine ayurvédique, donc du coup on va faire ça et peut-être qu'on ira visiter le temple. Il y a un temple qui est vraiment très connu ici à Kandy qui est le temple de la dent de Bouddha, quelque chose comme ça, et un jardin botanique aussi qui est très sympa à faire. Donc hier on a déjà assisté au spectacle de danse qui était magnifique et voilà pour Kandy sous la pluie. Is it nice? Qu'est-ce que tu manges? Yogurt? Yummy yogurt? Vanilla yogurt? Coucou! On se retrouve! C'est parti pour 2 heures de massage. Donc Ahmed, il est avec les enfants. Je vais faire ma séance maintenant. 2 heures de massage ayurvédique. Yeah, with the glasses is better. J'ai dû retourner en fait enlever mes lentilles parce que je me suis déjà fait avoir. Ne laissez pas vos lentilles quand vous allez dans un sauna. Donc 2 heures de massage et c'est parti. 2 hours, right? Yes, 2 hours. Yes. Ok. C'est parti. Donc, en gros, j'ai ici des sous-vêtements jetables, le kimono et ensuite c'est parti. On va aller au sauna d'abord. Hello, coucou! Oh mon dieu, c'était trop bien! Donc j'ai fait 2 heures de massage. Donc en gros, 10 minutes dans un sauna, 1h30 de massage. Et ensuite, pendant 20 minutes, c'était un massage, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est à base d'huile. Et elle chauffe l'huile en fait et elle a un genre de récipient au-dessus. Et vous avez donc l'huile qui coule. C'est super relaxant. Franchement, c'était juste top. Je me suis endormie je ne sais pas combien de fois. Wouh! Avec pas de musique, la pluie, les oiseaux, les bruits de la nature. Franchement, c'était génial. Vraiment, c'était génial. Donc voilà, on a mangé, on a super bien mangé. On a mangé local, délicieux. En plus, c'est halal ici. Franchement, le repas était trop, trop bon. Délicieux. Donc là, on est dans la chambre. Et les filles sont parties faire leur massage avec Ahmed et moi je vais rester ici avec Haroun. Je vais me doucher parce qu'en fait j'ai plein d'huile dans les cheveux, vraiment plein d'huile dans les cheveux. Et du coup je vais me doucher, laver mes cheveux et relax. On va se reposer, on prendra un goûter tout à l'heure. Je vais préparer l'itinéraire, peaufiner les prochaines visites. On est dans les nuages, vraiment. Dans les nuages. Tu veux un biscuit, Haroun? Oui. Attends, maman, elle va te donner. De partir. Franchement, on a passé 2 magnifiques journées ici. Regardez, le soleil est de retour. Donc, on va continuer les visites. C'est parti pour la visite de Kandy. Oh, ok. C'est bye bye. Bye. Dans le Botanic Garden. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ce que j'ai lu? C'est que c'est un roi qui avait fait une maison royale, que ses successeurs ont occupé. Ensuite, ils en ont fait un jardin pour les hauts fonctionnaires sri-lankais. Et les Anglais, en je ne sais plus quelle année, 1980, je crois, ils en ont fait un jardin botanique. Et c'est l'un des plus. C'est un des jardins botaniques le plus célèbre au monde. 60 hectares. Il y a le jardin des épices, il y a la maison des orchidées, il y a
plein de choses à voir. Donc on vous emmène en promenade. La maison des cactus. On est arrivé après je ne sais pas combien d'heures de route. Waouh, ok. Donc ici, welcome to Madame Hasna and her family. Et regardez-moi ça. On est dans la nature, en plein milieu de nulle part. Franchement, on est passé par des chemins de dingue. Et thank you very much. Thank you. Ça a été une longue journée, franchement une longue journée, mais l'endroit est magnifique. On est encore une fois au milieu de nulle part. Regardez-moi ça. C'est dingue. On est dans la villa. Là, on est dans la villa et vous avez ça ici en dessous qui passe avec des petits fauteuils pour tout simplement travailler. Non, j'ai pas envie de travailler. J'ai juste envie de regarder ce qu'il y a autour de moi. C'est magnifique. Donc voilà, on va monter dans la chambre, on va découvrir la chambre. Où est-ce qu'ils sont? Ok. Où est-ce qu'on est? Vous êtes où? Let's go! Ouh! Ah, cool! Super! Oh, waouh! Regardez-moi ça. Donc là, il y a une chambre. Et en fait... Vous voyez, franchement, le concept, il est génial. Moi, j'ai adoré les photos quand je les ai vues sur Internet. Et vous avez tous des fenêtres comme ça que vous pouvez ouvrir. On verra ça, on verra mieux demain matin. Mais vous avez ici un salon complètement ouvert, ouvert sur la nature. C'est génial, franchement. Vous aimez bien les filles? Vous êtes contentes? Waouh! You want to sleep with mommy? Moi, j'arrive pas. Waouh, franchement, c'est cool. C'est la salle de bain? Ouais. Waouh, regardez la salle de bain aussi, le concept. Ouvert. En fait, partout, vraiment, ils ont essayé de profiter de l'environnement autour. Ok, dinner time. Donc, on a commandé... on a commandé local pour Ahmed et moi, en sachant que c'est halal ici. Il y a énormément de musulmans en fait du côté de Candy. Et pour les enfants, on a pris des hot dogs. Hot dogs. Voilà, et Harun, je lui ai pris des pâtes au poulet. Et alors, vous voyez, on est ici, en plein air. Enfin, c'est couvert. Et franchement, c'est génial. J'adore. Petit déjeuner, on a la soupe ici sri lankaise qui est fait à base de plantes, de coconut milk. C'est
C'est franchement très très bon. Il en a refait. Omelette et surtout la superbe vue. Non mais parfait.